Nous avons un rituel dans cette émission. Hélène Beckett est une jeune slameuse. Aujourd'hui, elle a tenu à être présente pour rendre hommage aux victimes de l'attentat de Grand Bassam. Donc, je voudrais qu'on écoute Hélène. Merci. Et ils sont allés en famille, puis ils sont revenus orphelins. Et ils sont allés en amis, puis ils sont revenus un par un. Et ils sont allés en amoureux, puis... C'était un dimanche et Dieu était absent. Alors, un « je t'aime », l'argent ou reste n'a pas épargné un tiesse. L'appel du secours n'a pas sauvé un d'entre tous. Les plus chanceux ont fini traumatisés. La violence a primé sur l'innocence. Les malchanceux, même debout, ont fini au pays des allongés. Un simple moment de détente s'est transformé en enterrement. Pourtant, c'était un dimanche et Dieu était absent. Alors, hors des veines, on a vu couler du sang. Sans défendre les mêmes couleurs, ce jour-là, on portait tous le même drapeau du deuil. Alors, on se souviendra toujours du dernier souffle, de ces Ivoiriens, de cette Allemande, de ce Français. Parce que ce jour-là, ils respiraient tous la Côte d'Ivoire. Parce que ce jour-là, ils respiraient tous la Côte d'Ivoire. Et ils sont allés en famille, puis ils sont revenus orphelins. Et ils sont allés en amis, puis ils sont revenus un par un. Et ils sont allés en amoureux, puis... Elle est revenue toute seule. Oui, elle est revenue toute seule. C'était un dimanche et Dieu était absent. Et Dieu était absent.